Il y a un côté Gaël, et quand je fais quelque chose, il y a un côté code d'adoration, et puis les deux font qu'il y a un côté Henri Papa Moulage. Les deux parce que chaque génération apporte sa touche. Et ce qui est important aussi dans la musique, ce n'est pas seulement la qualité du son ou la qualité du clip, c'est le contenu, c'est l'esprit qu'il dégage. Et moi, par exemple, aujourd'hui, j'adore Dieu avec des cantiques qu'on peut qualifier de vieux cantiques, mais ça me touche encore et ça m'emporte. Et donc les deux sont aussi bonnes et puis aussi utiles. Ben, comme j'ai dit, hein, c'est les deux, hein, parce que les deux chansons sont mes enfants. On ne choisit pas lequel est mieux, lequel on aime le plus. Donc les deux chansons sont mes enfants. Il est vrai que chaque chanson a sa particularité, chaque chanson a son histoire, chaque chanson n'est pas venue au même moment. Ozoyanga, par exemple, c'est un chant qui date d'il y a longtemps. Ça peut même faire 15 ans, cette chanson-là. Oui. Mais tandis que il y a un Dieu dans les cieux, c'est un chant que j'ai eu il n'y a pas longtemps, juste avant que je fasse mon album, vers les années 2018. Donc, mais les deux ont une histoire particulière et je les aime. Bon, en fait, en termes de louanges et adorations, normalement, il n'y a pas vraiment de chants de louange, d'adoration. Vous voulez plutôt parler des chants un peu calmes ou des chants un peu bouillants, etc. Bon, en tout cas, excusez-moi encore une fois de plus les deux, hein, parce que moi je fais les deux. Je fais en même temps Yahweh, Yahweh Kogumba Melayo. Et puis je fais en même temps Tembesilie, Koloye Solongie. Je le fais avec la même énergie, la même pression. Et donc, du coup, j'ai la grâce, en tout cas, c'est une grâce, parce que bon, c'est vrai que pour certains, c'est un peu difficile. Ils sont plus dans une seule tendance, mais moi, vraiment, par la grâce de Dieu, je suis en même temps dans tout ce qui est calme, mais dans le show également. Je suis aussi dans le zouk, dans Afrobeat, comme on a fait Il y a un Dieu dans les cieux. Je suis dans la rumba, Ouzoua Yanga, Getsemane. Et donc, voilà, j'ai fait l'effort par la grâce de Dieu de nager dans tous les styles. Je suis attaché à Gaël, je suis attaché à Écho d'Adoration. Et donc, j'informe d'ailleurs que je suis toujours dans Écho d'Adoration. Et donc, les deux, c'est mon histoire, en fait. C'est mon histoire, c'est mon parcours. Gaël m'a vu naître et Écho d'Adoration m'a vu devenir. Vous voyez un peu? Donc, je suis dans les deux. Et les deux restent en moi. Ce sont les deux piliers qui font que je sois ce que je suis. Il y a un côté Gaël en moi, il y a un côté Écho d'Adoration en moi. Et voilà, ça, c'est fini, c'est inséparable. Là, c'est resté dans mon ADN. Quand je fais quelque chose, il y a un côté Gaël. Et quand je fais quelque chose, il y a un côté Écho d'Adoration. Et puis les deux font qu'il y a un côté Henri Papa Moulage.